boom d'enfant. Il y a des gens qui ont raison 24/24. J'ai bien dit que ceux donc qui cultivent tout le temps la raison ne peuvent pas fonctionner la paix. Ceux qui taisent sur leurs raisons apportent la paix tout le temps. Je voudrais donc vous dire ce matin que Dieu ne parle pas des hommes qui ont raison. Mais il parle plutôt des triomphateurs. Parce que nous sommes dans une course. Et Dieu voudrait que nous puissions donc achever la course. Alors, tous ceux qui sont prudents et qui obéissent. Tous ceux qui sont prudents et qui obéissent. Les problèmes vont prévoir comme la pluie. Le vent va s'élever. Et le vent va faire en sorte que tu sois la pluie. Mais la puissance de Dieu va te stabiliser. Pourquoi? C'est un enfant qui a obéi. C'est un enfant de Dieu qui est sage. C'est un enfant de Dieu qui a bâti sa maison sur le roc. Et Dieu a promis que la pluie va tomber, que le vent va s'élever, et rien ne va lui arriver. Voulant même soutenir un peuple, pleure pour soutenir un orphelin. Et vous allez construire des aides plus simples que vous pouvez vous acheter. Je dis, je m'en fous. Je répète encore, le jour de ta mort, aucun véhicule, aucune villa, aucune grosse temple, aucune grosse église ne va t'accompagner dans ta tombe. Tu vas aller nu comme tu es sorti de ta maman nu. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. La foi a ses actions qu'elle pose. Et nous avons donc commencé à aborder ce thème-là. Je demande à ce que nous tous qui sommes chrétiens, qui sommes dans l'église, tout message, toute prédication, toute exhortation, il ne faut pas la laisser donc s'envoler comme ça. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous écoutons, c'est comme les examens que les enfants ont subis cette année. Quand le début donc des cours ont commencé en octobre, il y a des périodes récurrentes pour les évaluations afin de mesurer leur compréhension. Est-ce que vous suivez? Ce qui a fait qu'on a évalué les enfants à travers le certificat d'études primaires, d'autres ont réussi, d'autres ont échoué. Il y a eu également le BPC qui a donc comptabilisé des succès et aussi des échecs. Et aussi il y a eu donc l'examen du baccalauréat qui a aussi comptabilisé des gagnants comme des perdants. Alors ceux donc qui sont approchés, qui n'ont pas encore atteint, c'est eux qui commencent demain. Nous le serons tous. Et nous prions que Dieu vraiment vienne en aide à ceux qui sont donc retenus pour le second tour afin qu'ils puissent avoir une mémoire fraîche afin de décrocher leur diplôme. Vous comprenez que Matthieu 28 dit ceci. Jésus a dit à ses disciples, allez-y, recrutez des disciples. Oui. Allez-y prêcher. Ceux qui viendront vers vous, qu'ils deviennent des disciples. Et une fois qu'ils deviennent des disciples, il faut les faire asseoir et asseyez-les afin qu'ils entendent et écoutent ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors vous tous, vous et moi qui sommes là, vous êtes des disciples. Et depuis que nous nous sommes convertis, Dieu nous a mis donc sur le banc des étudiants de son église. Ceux qui sont nés dans la... trouver la parole protestante chrétienne. Ou bien ceux qui se sont convertis pour venir se joindre à l'église. Vous et moi, nous sommes des disciples ou des étudiants. Même donc les pasteurs qui parlent. Il y a aussi des rencontres pastorales pour eux. Et on choisit donc des formateurs pour les former encore. Pour les rappeler encore.
C'est de sorte de faire en sorte que l'homme qui est oublié puisse se rappeler tout le temps donc de ce que Dieu lui a donc enseigné et averti. Ceux qui s'assoient pour écouter et celui qui prêche, hein, ils sont donc sur le même pied d'égalité. Puisque nous tombons tous donc sur cette terre et notre lutte après c'est pour avoir le paradis. Mais selon donc l'ordre des choses, il y a une personne qu'on met devant pour que la personne donc annonce la parole de Dieu. Ce que Dieu s'attend de nous, c'est que nous qui écoutions, que nous puissions obéir. C'est sur le pèlerin de ton commandé, car le en vérité, je voudrais donc m'adresser aux disciples qui se sont convertis et dont l'objectif principal c'est d'aller au paradis. Je parle à ceux qui sont engagés pour le royaume des cieux. Alors ce matin, nous avons commencé un thème qui dit à travers Jacques 2,14. Il est dit là-bas, la foi sans les œuvres, cette foi est qualifiée d'une foi morte. Et effectivement, Jésus dit que l'arbre sera reconnu par son fruit. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu entends, lorsque tu es dans l'église, pendant des années, tu te mets à écouter. Et tu mets cela en application. C'est pour dire que ta foi sera vivante. Parce que ce que nous est recommandé, nous agissons comme cela. Tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus. Que tout chrétien converti pour aller au paradis puisse se soumettre à cela. C'est-à-dire, il y a des gens. Ils sont remplis d'un esprit de raison. Parce qu'un tarot bouma, lorsqu'on leur indique leurs défauts, ils sont toujours calés sur leur point de raison. Même si c'est dans un foyer, dans un couple, celui qui recherche toujours donc avoir toujours raison ne va jamais apporter la paix dans le foyer. Mais celui qui voudrait donc cultiver la paix met de côté toute sa raison. Sinon, les deux là ne peuvent pas être donc coordonnés. Celui qui tient la ficelle de la raison ne peut jamais donc conditionner la paix. Mais celui qui va donc faire sacrifice sur lui et mettre sa raison à côté va apporter la paix. Est-ce que vous me suivez bien? Est-ce que les gens suivent le message? Si tu veux créer la paix, parce que on n'a pas gom boom gom yé. Est-ce que Dieu ne parle pas de raison? On n'a gom na nil se mer kongre. Dieu parle de celui qui reconnaît toujours son tort. Est-ce que les gens me suivent? Alléluia. Alléluia. Donc, ton zindaka. Nous sommes restés ici. La maniam sizikano. Alors vous et moi qui sommes assis ici, il y a sac la wenam dat mamneyam. Dieu voudrait que vous et moi nous puissions obéir. Il a dit la bieti kelere la sac. C'est pour cela on te recommande donc d'écouter et d'obéir. Sans kelere la sac. Lorsque tu écoutes et que tu obéis, tu n'as pas ma vie. Tu auras la vie. Wenam gwa ma ya vie. La parole de Dieu est la vie. Wenam gwa ma sac ya vie. Obéir à la parole de Dieu apporte la vie. La ninga fa. Et toute personne. C'est nan kelere. Qui va écouter. La kasake. Et qui va pas obéir. La tirkienga. C'est une foi. Et montre qu'elle développe. Alléluia. Alléluia. Jacques Ibn Pilana, ça, Karmazan. Jacques 2,14. Je demande à tout le monde de suivre la lecture avec sa Bible. Jacques Ibn Pilana, c'est. Tim Sankalar Netouma Ayaza, Berayotu. Mbabisi. Nissan Yeltini Taratibo, Titoum Yolankai, Anafra Yenda Neboin. Tanahda Fo Neboin. Tiba Woto Tim Fara Yenda Bi. Babi gaye sambe en katar futni ribo tiyam ne da yemari yela kenne la fi en pila fri yolon ka kwa bumu niswa asen data nyona fri ya bwen da wato mene tebo san kala ne tuma aya kun la nina san yele fotara tebo la mamanda tuma wilimam yam tebo ti tuma kan tuye la mam tuma na wilik fom ma tebo Nyam tiye da menti wen na ma yebalem be. Nyam manda nere, zinda ma me tiye da me, indigne ra bem. Verse pisi.
Permen soba. Foka bang titi bal sanka lakam ni tuma akanyon la. Akasira tetonba Abraham zem sap tuminga. Bam sindokul bam biga Isaac tankura zugna man mwanga bi. Nyam nyam eti tip tuna ne bam tuma. La ti bam tuma pizida bam timbo. Woto, kulku song sinye la pama pizgu. Abraham tenwe nam, la bam gelga nye tiwa tilum. La bola nye tiwe nam zwa. Nyam nyam eti nirzem heda tuminga. La carte est bal, ying balie. A kawoto meti pour yora rahab, zem sa tum yinga, nyesin sixteen gunsurba, un tumbam tu sora toabi, nyinga san kalaram ne sira, ayakum, watome, tib san kalaram ne tuma, ayakum. Et d'ailleurs, ne balhia, tiens de bien. Ne sommes pas des chrétiens. Chrétiens. Dans la lecture, on a dit que même les démons croient. La bam bam la mais eux, quand ils croient, ils tremblent en même temps. Parce que ça veut dire qu'un démon n'est pas à mesure d'obéir. Condamner les zina, le démon est condamné. De sorte à ce qui n'est pas la capacité d'obéir. Et tous ceux qui ne se soumettent pas, qui n'obéissent pas, ils n'ont pas la vie. Est-ce que vous me suivez? La foi des démons, c'est qu'ils écoutent, ils croient aussi, mais ils n'ont pas donc la force d'obéir. Mais l'être humain, lui il écoute, lui il croit, il a aussi reçu donc la capacité d'obéir. Est-ce que vous suivez? Mais le fait que les démons n'obéissent pas, donc ils ne sont pas conformes à ce qu'on veut. C'est comme si tu conduis donc un véhicule. Et le véhicule n'a pas de papiers en règle. Lorsque tu vois de loin les policiers, tout de suite ton cœur bat à un rythme accéléré. Est-ce que vous voyez? Ton cœur commence à se battre. Parce que dans tes documents, il y a des pièces qui manquent. Est-ce que vous suivez? Il y a quelque chose qui manque dans tes documents. Parce que mobile le véhicule là a donc son chemin, son passage. Il y a aussi des papiers qui doivent être réguliers. Deuxièmement, lorsque tu as une dette, lorsque tu vois ton créancier, tu commences à parler avant que la personne ne l'introduise. Parce qu'il sait déjà qu'il va donc demander de rembourser la dette. Quand tu as vraiment une certaine faute, un défaut, il y a des 6 mètres ici que des gens contournent sans passer à travers ces 6 mètres-là, si ce n'est pas la nuit, jusqu'à leur mort. Parce qu'ils savent de quelle vie ils ont mené, des sorts qui ne peuvent même pas passer par là. Faut savoir, alors, si tu es un chrétien, et on parle de la venue de Jésus, et toi tu es vraiment paniqué, on parle de la mort, et tu as peur, c'est pour dire que tu n'es pas encore prêt. Tu n'as rien compris d'abord. C'est pour dire, tu ne sais même pas quand tu mourras aujourd'hui, tu verras Dieu. L'apôtre Paul a dit, que là où il est là, il est empressé d'aller au paradis. Maintenant, il voudrait donc rester dans son corps. C'est pour le soutien de vous tous. Mais la mort n'est rien pour lui. Mais concernant sa vie là, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit sur lui, et aussi il est donc commis à achever l'œuvre que Dieu lui a confiée. Si vous et moi allons obéir à Dieu, l'obéissant ressemble à l'esclavage. L'obéissant ressemble donc à l'humiliation. Parce qu'on te dit de mettre ton ennemi. La leçon de ce matin traite de l'amour. Et la chorale des adolescents également chantait sur l'amour. Et la chorale des femmes aussi a chanté pour dire qu'il n'y a même pas de conflit entre eux. Effectivement, il ne faudrait pas qu'il y ait un conflit entre nous. Parce que tu vois, pourquoi? Lorsque nous prêchons, c'est pour donc faire en sorte d'évacuer tout ce qui est comme puissant.
Parce que la parole de Dieu, quand elle est prêchée, c'est pour donc mettre de côté la volonté de l'être humain et de l'amener donc à se conformer à ce qu'il lui veut. Mais le livre de Jacques que nous avons lu montre que vous et moi devons connaître une chose. À la fin de la lecture, il dit que l'être humain comme ça, il est animé d'un esprit. Mais un animal n'a pas un esprit qui peut se tenir devant Dieu. Mais c'est l'être humain qui a l'image de Dieu. Et lorsque la mort vient saisir l'âme et conditionne la mort du physique, l'esprit se tient devant Dieu. Et lorsque, dans ton vivant, le corps donc a manifesté des bonnes œuvres, tu te présentes devant Dieu sans problème. Mais quand le corps t'a fait vivre une vie qui n'est pas correcte, l'esprit qui se tient devant Dieu pour un jugement. Alors ce matin, je voudrais donc résumer donc mon thème sur l'obéissance. Et tout ce que nous avons eu à entendre et écouter, ce que Dieu nous donne au finish, c'est l'obéissance. Et je vais annoncer à certaines personnes, l'obéissance est obligatoire. Si tu veux, il faut te mettre dans le rang des rebelles. Il faut avoir le cœur dur. Au point où tu penses que ta malicité va t'amener même à franchir les barrières pour entrer au paradis. Alors, la sagesse que tu as, si ce n'est pas une sagesse qui va t'amener à pardonner, ou bien donc de gracier, aimer ton ennemi comme toi-même, se trouve dans ta sagesse. Si toi et moi, nous n'avons pas cette pensée, s'il n'y a pas donc de renonciation de soi-même, il y a des gens qui ont raison 24 sur 24. J'ai bien dit que ceux donc qui cultivent tout le temps la raison ne peuvent pas fonctionner la paix. Mais ceux qui se taisent sur leurs raisons apportent la paix tout le temps. Je voudrais donc vous dire ce matin que Dieu ne parle pas des hommes qui ont raison. Mais il parle plutôt des triomphateurs. Parce que nous sommes dans une course. Et Dieu voudrait que nous puissions donc achever la course. Paul, lui, il a clamé qu'il a achevé la course. Il n'a pas cherché à avoir la raison. Ceux donc qui sont en raison font souffrir leur pays, font souffrir leur foyer, leur famille. Ceux qui ont tout le temps raison font souffrir leurs compagnons. Parce que tout le temps, c'est toi qui as raison. Et ta raison dérange la paix, la quiétude. Mais ceux qui recherchent la paix se taisent sur leurs raisons. Mais celui qui tient mordicus sa raison, il ne peut pas avoir la paix. Mais celui qui met sa raison de côté, la paix va venir. Sinon, tu ne peux pas obéir. Lisons dans Luc. Luc 6. Pinala yobe. 46. Pinala wawa. Jusqu'au 49. Ya boye tiyan bon mam ti zusoba nyolan. Kaman boum nis mam sen torosran. Nen ninga fan sen wat mam nenge enkelagad mam sen yet boum nisan sakre. Mam nan wilga ye sen wenda soba. Nyen wenda waner sen datame rogo. Aren un tout bor zulunga en yebororo kugul zugu. La sakom se ya wosro zoe wen rora ne panga. La katwen mimye a yeborar sembe kugul zugu nyinga. La neninga sen womdan ka sakre. A wenda ner seme rogo tom zugu un katubok ye. La kom wen rora ne panga. La totobala a lui me. La lui sa yi kasenga. Mote kiamatye yo pwe. Pisi la nasi. Alors dans Matthieu 7, 24. Ya woto nyinga ti neninga fan se wum gwam ninga mam sen torsa en sakbamba. Nyena yi wayam soba se mero kugrzugu. La sani mi tu kom zwe wusko. La sebre yi kon wen roga. La kaluye a sen yebo kugrzugu nyinga. La neninga fan se wum bum ninga mam sen torsa en kasakbamba.
Nyena yiwa yalam semero go bisur zugu. La sani mi tukom zo wusugo. La sobri yikame enwero kanga. La lui me, la lui sa yi kasenga. La jesi sentoros bon kaya sense. Kunga ye sabam koronga nyinga. Tibwen, bam zamsa neba waner sentar nore. La kawa bam gulo siriba ye. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi la lecture? On dit que c'est ainsi. Parce que à Luc, quand il y a l'andaye, je l'ai amené tout le monde, Matthieu. Pour Luc, il n'a pas parlé d'insensé. C'est pour cela que j'ai recommandé la lecture dans le livre de Matthieu. On dit ainsi. Ni ninga face on gom ninga mam sin torda. Celui qui entend la parole que je prononce. Sera comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La s'anime. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. La calue. Elle n'est point tombée. A saigné beaucoup de jours. Parce qu'elle elle était fondée sur le roc. Vous suivez? Quelqu'un? Écoutez. Sintaraya. Celui qui est sage. À chaque fois, nous avons obéi à la parole de Dieu. Calmez-vous, nous avons sévère. Lisez la Bible. Alors, ce qu'on appelle l'encéphalopathe là, ou bien l'insensé. Voilà. Tiens, bébé, voilà. Ok. Est-ce que vous suivez? Yalma. C'est-à-dire la maladie d'insensé. Nous avons né pangafan. Dieu. Dans toute sa puissance, Dieu, dans son omnipotence, qui est venu s'envelopper au travers de Marie et qui est sorti. Jésus a guéri toute catégorie de maladies. Il n'y a pas cette maladie que Jésus n'a pas guéri. Exception faite de la maladie insensée. Jésus n'a pas touché à cela. C'est pour cela que Jésus a dit de prendre garde à ce que vous dites pour ne pas traiter ton frère donc d'insensé. Parce que quelqu'un qui est insensé n'est pas donc éligible pour le paradis. Parce qu'un insensé n'a pas la foi. Donc même quand Jacques a dit que les démons croient là, l'insensé n'a pas de foi. Pourtant, si tu n'as pas de foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Est-ce que vous suivez bien? C'est un message original. Il faut vraiment fouiller vos Bibles, faire des études de doctorat. La maladie de sottise, Jésus n'a pas touché à cela. Jésus lui-même dit que personne ne traite son prochain d'insensé. Et si donc quelqu'un dit à son frère qu'il est insensé, soit jeté dans la GN, parce que la GN est réservée pour les insensés. Ce matin, soit donc un homme prudent et sage, pour ne pas être donc réfractaire au conseil, pour ne pas être réfractaire au message de Dieu. Ce qu'on te dit de faire, il faut donc te mettre à obéir. Il faut enseigner sur un thème qui tire vers sa fin. La foi les œuvres et les peines. Tu ne dois pas oublier cela. La bien aimé. Et il a dit que lorsqu'un frère vient vers toi et il dit qu'il n'a pas à se vêtir, qu'il n'a pas à manger, et tu lui dis va manger, va te réchauffer, boire, boire. Et tu n'as pas exercé l'œuvre de Dieu qui est la libéralité, le don. Galates, c'est vrai, le livre de Galates dit que personne ne peut donc se moquer de Dieu. Celui qui ne va pas donner est en train de se moquer de Dieu. Galates 6 dit ça, mentionne cela. Et dans le 7, il a dit que personne ne peut se moquer de Dieu. Parce que ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Maintenant, quand tu sèmes, tu récoltes. Il faut donc ensemencer les bonnes semences. Pour ensemencer, donc, pour récolter les bonnes semences. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Parce que le mal caractérise les péchés de la chair. Et le déchet de la chair, c'est la destruction. Mais ceux que le Saint-Esprit pousse à faire le bien, ceux que le Saint-Esprit pousse à accomplir des bonnes œuvres, ils vont amasser donc des trésors incorruptibles. Donc, cela dépend de vous et de moi.
comme nous puissions obéir à ce message là. Et je dis il y a des problèmes, il y a des situations qui ne demandent pas la prière. C'est récolte. C'est tellement comme ça. Quand le, depuis que le monde existe, and Noé, et quand Noé a quitté l'arche, Dieu a dit à Noé, autant que le monde va exister, il y aura des semis, il y aura des récoltes, il y aura donc l'hiver, il y aura également la saison 16, ou l'été, si tu ne sèmes pas, tu peux rien avoir. Si vous me suivez, si on vous dit de faire quelque chose, mettez-vous à le faire. Non, ça va car. Ça, c'est pas. Il y a on n'a pas de négocier, c'est quelque chose qui est là. Cette année, je n'ai pas ensemencé. Je n'ai pas récolté. Ceux qui ont semé là, eux vont récolter. Il y a même chose. C'est pareil. Tous ceux qui ont des mains dures. Parce que Jacques dit que si quelqu'un manque à bêtir, je vais dire, manque à manger, il vient vers toi. Si il y en a, ne dis pas que tu es dépourvu. Si tu ne fais pas, c'est que tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu. Étant donné que tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu, ta foi est une foi morte. Lorsque quelqu'un a un problème, et si tu as la paix du cœur, tu peux ne rien avoir. Mais que quelqu'un ne vienne pas me dire que tu n'as rien. Pierre et Jean sont des exemples de la Bible. Dans Acte 3, ils sont arrivés devant le temple. Malgré que Pierre était rempli du Saint-Esprit de Dieu, il n'avait rien. Ils étaient des évangélistes, des prédicateurs que Dieu a appelés. Mais ils n'avaient rien, aucun rond. Pourtant, quand on dit si on demande là, tu vas recevoir, non? Ils sont arrivés devant le temple. Ils ont vu le paralytique. Et la Bible a dit. Donc, on dit celui qui demande là, que tu donnes. Toi, tu n'as rien. Et maintenant, ils ont dit. Pierre a dit à Jean. Vois-tu? Nous n'avons rien. Mais nous avons Jésus. Ce que nous pouvons faire. Pour le monsieur là, nous allons demander à Dieu. Ils ont dit, nous n'avons pas l'or, nous n'avons pas l'argent. C'est au nom de Jésus de Nazareth que la paralysie te libère. Et il a été ainsi. Et le paralytique n'a pas donc, à chôtier pour entrer. Il n'est plus devenu donc un mendiant. Il n'y a pas un chrétien qui est pauvre. Dieu n'a pas donné. Maintenant, tu as des genoux, non? Genoux flexion pour prier. Je ne peux pas soutenir le frère. Mais il est venu vers moi. Jésus, ça va. Seigneur, toi, tu peux l'aider. Tu pries. Et Dieu parle à une autre personne. Et le problème est résolu. Dieu ne va pas te laisser comme ça. Est-ce que vous suivez? C'est tellement simple. C'est tellement simple. Donc, c'est-à-dire être égoïste là, c'est pas bon. Être vraiment égoïste. Yeah, il y a des gens. Tu peux prendre en charge les frais de scolarité d'un orphelin. Est-ce que vous suivez? À partir donc de l'inscription au CP1 d'un enfant, il y a des gens qui peuvent payer les frais de scolarité jusqu'au CM2. Est-ce que vous suivez? Et quand il arrive maintenant au BPC, si tu n'as pas assez de moyens pour l'accompagner, une autre personne à mesure de le soutenir peut donc le soutenir jusqu'au baccalauréat. Si au niveau de baccalauréat, parce que les frais augmentent au fur et à mesure. Comme ce que le frère Alex a fait. Lui-même, c'était un ancien professeur. C'est lui qui a enseigné mes enfants qui ont eu leur BPC. Il dit qu'il n'a plus assez de temps pour encadrer Alain. Il est allé donc payer un professeur qui est dans son domaine quand il a réussi là. Alain mourra sans oublier donc le bienfait d'Alex. Maintenant, si tu arrives, donc prendre un orphelin et
certificat. L'accompagner jusqu'au certificat. Voilà, il qui va. Ou bien tu prends chacun orphelin. Nta BPC. Tu l'accompagnes jusqu'au BEPC. Voilà, il qui va. Ou bien tu prends chacun orphelin. Tu l'accompagnes jusqu'à son baccalauréat. Tu n'iras ton nyara université. Et quelqu'un d'autre donc le prend en charge au niveau de l'université. Amar concours le pamtumbila. Parce qu'il réussit donc au concours et engrange donc un succès sur un travail donné. Lui aussi, il est autonome. Donc, il y a des gens qui souffrent. Les enfants sont intelligents, mais personne pour les aider. Et Dieu a fait en sorte que nous sommes des voisins. Et le Saint-Esprit ne t'a rien souffré de faire comme ceci. Si tu n'as rien, Dieu ne te demande rien aussi. C'est ce qui t'a donné, qui te recommande de donner. Et ce que nous détenons, nous appartient. C'est Dieu qui a confié cela. Et que quand il va te donner des instructions, que tu puisses te plier à cela. Et tout chrétien qui passe un mois, une semaine, et Dieu ne te parle pas à cœur de faire quelque chose. Donc imagine et réfléchis. Est-ce que ce n'est pas la chair qui domine sur l'esprit? Parce que la chair donc crée un voile sur ton face, ton visage. Et tu ne sais pas que le don peut ouvrir des portes devant toi. Il y a certaines personnes, des portes sont fermées. Dieu leur a parlé. Maintenant, ils tournent dans les lieux de prière. Que les portes sont bloquées. Imagine, il faut réfléchir à ce que tu n'as pas parlé. Pour te dire de faire quelque chose pour quelqu'un. Et toi, tu n'as pas fait. Et la porte s'est fermée. Donc, il faut que tu te repentes. Là, tu n'as même pas besoin d'aller prier. Allez voir un tel prophète. Un grand prieur qui est l'autre côté. C'est une question de semence qui est là. Si tu n'obéis pas à l'origine, il n'y a pas de récolte. Les choses fonctionnent comme ça. Alors, frères et sœurs, tant que nous avons lu dans le livre de Luc, pourquoi est-ce que vous et moi qui sommes dans l'église, on dit Seigneur, on déclare Seigneur. Maintenant, quand on vous annonce une parole donnée, vous n'obéissez pas. Il dit, mais tiens, je vais vous dire que celui-là, donc à quoi ressemble celui qui obéira? Celui qui obéit ressemble à un homme prudent qui a creusé donc sur le roc et qui a bâti les fondations de sa maison. C'est moi qui vous dis et je vous le répète. Je ne vois pas une puissance satanique à mesure de branler un homme qui se met à obéir ce que Dieu lui donne comme instruction. Satan s'est mis en colère contre la libéralité de Dorcas. Et il a frappé à mort. Pourquoi pas ça, Pierre? Et les veuves sont allées voir Pierre. Elles ont dit, mais rien que hier, voici le linge, voici la Bible. Que donc Dorcas est venu nous donner. Une femme a dit, voici mon sac de riz qu'il a déposé fraîchement. Est-ce que Dieu peut permettre qu'une personne ait une grande perte comme ça? Est-ce que Dieu peut permettre qu'une personne de telle envergure comme ça? Et le Saint-Esprit donc a saisi Pierre. Il est venu donc s'ingénier. Il a dit, Tabitha Kumi, ma jeune fille, lève-toi. Pour continuer dans cette bienfaisance. Satan n'a pas pu les branler. La pluie est tombée, les torrents l'ont. Se sont jetés contre elle. Mais n'ont pas pu donc les branler. C'est ainsi. Avec la femme Tsunamite et aussi Élie. Quand elle a pris en charge donc l'homme de Dieu dans sa tour, dans sa maison. Donc cela a conditionné la destruction de la stérilité qui était dans sa vie. C'était pareil pour Abraham. Quand il est allé donc amener donc les étrangers pour le servir à manger du pain. Ils ont dit, l'année prochaine, je reviens. Et la vieille ménopausée, Sarah va porter un enfant. C'est pour dire que la pluie est tombée. Les taureaux se sont jetés. Et cela n'a pas pu ébranler Sarah donc dans son âme de ménopausée d'enfanté. Parce qu'il y a un don qui a ouvert une grande porte. Yam Saba, le sale ou le prudent,
C'est sacré, qui obéit à Dieu. La Bible, Dieu me dit de vous dire que si cette terre, vous n'allez pas donc contourner les problèmes. C'est les problèmes qui représentent la pluie. Les problèmes qui représentent la pluie. Le même sort va arriver au juste comme au méchant. Mais la Bible dit, toi qui as bâti ta maison sur le roc, la pluie ne va pas avoir raison sur elle. Et le vent ne va pas avoir raison sur elle aussi. Tous ceux qui sont prudents et qui obéissent, les problèmes vont prévoir comme la pluie. Le vent va s'élever et le vent va faire en sorte que tu sois continué la pluie. Mais la puissance de Dieu va te stabiliser. Pourquoi? C'est un enfant qui a obéi. C'est un enfant de Dieu qui est sage. C'est un enfant de Dieu qui a bâti sa maison sur le roc. Et Dieu a promis que la pluie va tomber, que le vent va se lever, et rien ne va lui arriver. Alléluia. Est-ce que vous suivez ce matin? Sacré. L'obéissance et agir comme instruction a été donnée. C'est que c'est une jeune fille, un jeune garçon sage. Une femme sage qui agit ainsi. En toute réalité. Le juste, le méchant, vont écoper le même problème sur la terre. Mais le vent va emporter le méchant. Somme 1:2 dit, on va chercher le méchant, mais on ne va plus le trouver à sa position. Mais le juste va résister. Parce que, pourquoi? Parce qu'il obéit. Je suis donc un rocher pour lui. À Simon. Simon. À Pierre, moi, y a Simon. Quand Pierre était donc Simon, le vent balottait donc à Simon. Et Satan aussi est venu. Il a dit à Jésus, je demande Simon, je vais le frapper. Je vais donc le vanner comme du blé. Et Jésus a dit, à la va. Jésus a prié. Et le Simon est devenu une pierre. Et Jésus dit à Pierre, il a dit à Simon, alors viens ici. Satan est venu vers moi. Il t'a réclamé. Il a voulu donc te frapper. T'es flagellé dans la main. Mais je prie pour toi. Tu fais le couler. Pour que tu deviennes une pierre. La masse, maintenant, quand tu seras affermi, la soutiens les frères. Alléluia. Toi et moi. Vérité en Dieu. Jésus, je demande au nom de Jésus que Dieu, dans ma parole, fasse une œuvre. Si tu obéis, tu en sors comme ce que j'ai prêché. Que le Saint-Esprit te donne la force que tu obéisses pour devenir pierre, de sorte qu'aucun vent ne puisse le branler. Nous sommes des petites pierres. Jésus est le grand rocher. La présence de Dieu œuvre dans la vie des obéissants. Je demande, il faut pas être avare. Obéissez à Dieu. Faites comme cela est dit. Que ta foi ne soit pas une foi vaine. Et plus le maintenant il dit, celui qui n'obéit pas là, voilà ce à quoi tu ressembles. Tu es un insensé. Tu es en train de bâtir ta maison sur le sable. J'ai parlé de ceux qui sont égoïstes. J'ai répété, j'ai pas peur de quelqu'un. Quand je suis en plein ministère, ce que le Saint-Esprit me donne de dire, je dis, il y a des grands richards, des grands pasteurs qui ont tellement emmagasiné des sommes colossales en banque, et la pluie va tomber, le vent va s'élever, vous allez fuir et laisser votre compte bancaire. S'il en est qu'il y a l'argent là-bas, voulant même soutenir une veuve, pleure pour soutenir un orphelin, et vous êtes en train de construire des aides plus en aides plus que vous achetez. Je dis, je m'en fous, je répète encore, le jour de ta mort, aucun véhicule, aucune villa, aucune grosse temple, aucune grosse église ne va t'accompagner dans ta tombe. Tu vas aller nu, comme tu es sorti de ta maman nu. C'est ainsi l'œuvre. Obéissez à Dieu. Les premiers disciples
ont organisé de telle sorte qu'il y a plus de 2 000 de pauvres dans le temple, dans l'église. Et Ananias et Saphira se sont enfreints à cela. Et le Saint-Esprit les a exterminés. C'est comme ça. C'était pas un démon. Hein. C'est le Dieu lui-même qui était d'accord avec ce que les serviteurs ont décidé à unir les biens pour que la pauvreté sorte de l'église. Satan a inspiré Ananias et Saphira pour qu'ils viennent bloquer donc ce processus-là. Maintenant, ils viennent à l'église. Et même en famille, ils ne sont même pas bien concertés. Ils ne sont pas venus ensemble. On dit qu'Ananias était le premier arrivé. Il a fait 3 heures après, avant que Saphira ne le rejoigne. C'est ça, j'ai dit que venir en retard à l'église, ce n'est pas une bonne chose. C'est le retard de Saphira qui a provoqué sa mort. Si elle était venue avec son mari dans l'église là, quand son mari a menti, le Saint-Esprit l'a frappé, il est mort. Saphira va maintenant déclarer la vérité pour s'en sortir. Mais comme elle est venue en retard, et mon enfant pleure, nous, on ne peut pas se comparer à vous parce que vous n'avez pas d'enfant. Nous, on ne peut pas venir toi à l'église. Quand tu te lèves, tu fais ceci, tu fais cela. Quand, avant qu'elle vienne là, on avait déjà appelé son mari. Elle ne savait même pas ce qui s'était passé. On l'a demandé. Alors, écoute, est-ce tout ce que vous avez eu à vendre et retirer de ce que vous avez vendu? Elle dit oui. Mais regarde, ceux qui sont allés enterrer ton mari sont en route en train de revenir. Ils viendront te chercher aussi pour amener. Le Saint-Esprit l'a frappé. Et on est allé donc enterrer les avares, les cupides. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas que la pauvreté disparaisse dans l'église. Si Dieu te prend pour que tu soutiennes quelqu'un, si Dieu te prend pour que tu mettes fin à la pauvreté de quelqu'un, il faut le faire à son pas et rapidement. Sinon, tu vas avoir donc le sort d'Ananias et de Saphira. Dieu ne joue pas de ce côté-là. Hein. Que le Saint-Esprit vous aide, vous et moi. Que nous puissions obéir pour ne pas être des insensés. Un insensé. Il a l'image d'une personne qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie a tombé. Le vent s'est levé. On dit que sa chute était dramatique. Combien de personnes ont refusé d'aller la dîme et sont tombées? Ils ont refusé d'apporter les offrandes et sont tombées en ruine. Combien de personnes ont refusé de soutenir ce que Dieu a dit de soutenir? Ce que j'ai dit là, c'est le Saint-Esprit qui va te donner les instructions. Tu n'as pas dit de dilapider tes biens. Le livre de Galates dit, qu'est-ce qui s'aime pour le Saint-Esprit? Va donc récolter pour le Saint-Esprit qui a la vie éternelle. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit à faire le bien. Je parle de ça. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas d'aller en banque vider ton compte pour distribuer. C'est le Saint-Esprit qui vient te pousser et te montrant la terre fertile là où tu vas aller ensemencer. Et si réellement Dieu te parle, comme il a parlé à Abraham d'aller donc sacrifier son enfant, c'est son unique fils, mais comme ça vient de Dieu, il a accepté de le faire. Il est devenu un ami intime de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des dons difficiles à accepter. Mais si tu es convaincu que tu es inspiré du Saint-Esprit, il faut le faire. Et tu vas devenir un ami intime. Fais-le. Parce que des portes vont s'ouvrir. L'homme écoute. Mais il est oublié. Faites comme ce qu'on vous a dit. Le Seigneur va vous soutenir. Il est dit, le sage, et pour sa maison, la pluie va tomber, le vent va venir, les problèmes vont pleuvoir, mais les problèmes vont te contourner. Il y a le frère Olivier qui a composé un cantique en disant que c'est à cause de l'œuvre de Dieu que certaines personnes doivent leur vie. Oui. Dans le chant, il a dit que là où tu es assis là, c'est à cause de l'œuvre de Dieu que Dieu te maintient en vie. Mais quand tu te dis que tu es en retraite, donc est-ce que donner quelque chose à quelqu'un là, tu as besoin de te retraiter par rapport à ça? Prier pour quelqu'un, est-ce que tu as besoin d'une retraite pour ça? Donc il y
Des situations bon, qu'on ne mesure pas l'ampleur, mais c'est des bénédictions, des sources de bénédictions. Ce n'est pas faire des dons publics et qui sera donc médiatisé, qui est important. L'obéissance du Saint-Esprit dépasse des magasins emmagasinés de lits et la télévision vient faire le reportage. Ce que vous et moi allons faire, sans que cela ne soit conduit par Dieu, c'est des œuvres faites. Je parle de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et tu peux te lever le matin toute la semaine et Dieu ne te parle pas, tu ne dis pas bon. Et donner 100 francs à quelqu'un, ce n'est pas possible. Parce que, vie ma main, parce que la vie est faite de sorte. Je vous ai dit la fois dernière, personne n'a déjà prié et trouvé donc un sac de riz qui tombe du ciel. C'est quelqu'un, ça passe toujours par quelqu'un. Il y a deux personnes qui sont dans un temple pour prier. Le premier là, son problème là, c'est vraiment un problème coriace. Mais lui, il est fortuné, il a l'argent. L'autre là, il avait seulement un problème de 5000 francs. Lui aussi, il est venu dans le même temple. Le monsieur est là, dans le coin, il prie. L'autre aussi, de l'autre côté. Le Richard, quand il priait, il entendait les prières, les mots qui sortaient de sa bouche. J'avais 5000 francs, Dieu, j'avais 5000 francs. Le Richard s'est levé. Il a enlevé des liasses d'argent lui donner. Si ton problème là, c'est si limite à 5000 francs, prends ce tas d'argent là. Viens prier pour moi parce que ce que je demande là, c'est plus que ce que tu demandes. C'est tellement simple. Hein? Si on vient vers toi et que tu en dois prier, si c'est un problème de 5000 francs, et tu as 10 000 francs, même si c'est 5 000 francs, Dieu te dit de donner là. Donne seulement parce que c'est Dieu qui te met à le pouvoir si tu vas l'obéir. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Saint-Esprit vous aide, vous et moi. Que nous puissions être des hommes prudents et sages pour obéir. Et que nous ne soyons pas des gens sensés. Et sachez que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. À toi la gloire, ressuscité, à toi.